Coucou, bonjour mes carpènes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je pose mes extensions à clip. Mais avant de commencer, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer. Afin de faciliter la pose de mes extensions, je commence par démêler mes cheveux. Je les hydrate ensuite avec un produit de la gamme Schwarzkopf qui s'appelle Smooth and Shine. C'est un produit qui est à base de l'huile d'olive et de moringa. C'est très efficace pour les cheveux crépus. C'est une huile également qui nourrit intensément et renforce le cheveu. Il aide à protéger de la casse pour des cheveux éclatants de brillance. Il faut savoir que c'est des extensions raides que j'ai pris et donc je lisse les cheveux afin qu'ils puissent se fondre dans les extensions. Mais une chose est très importante, je vous déconseille de lisser vos cheveux crépus parce que c'est pas conseillé du tout. Voilà, moi c'est la première fois que je lisse mes cheveux, donc bah, comme c'est pour une première fois, je voulais quand même que mes cheveux se fondent dans mes extensions. Ce sont des extensions de cheveux naturels achetées sur la boutique en ligne Good Hair. Je ne pourrais pas vous communiquer le lien car j'en ai fait l'acquisition il y a plus d'un an et je ne suis pas sûre que ce soit toujours disponible. Dans le paquet, nous avons 4 bandes de 3 clips. Voilà. 4 bandes de 2 clips. 2 bandes de 4 clips. Et 4 bandes de 1 clips. Je vais commencer par faire des sections. Voilà, il est placé sur la raie. Je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'arrive le devant.
Voilà mes carpelles, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Venez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Abonnez-vous également à mon Instagram, venez on va discuter, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais vous répondre avec plaisir. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!